Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'obsidienne noire. Il y en a plusieurs types, mais je ne vais en parler que de deux. L'obsidienne noire simple et l'obsidienne mouchetée. Alors, au début de la vidéo, bien évidemment, tu vas voir une de mes créations qui a été faite avec de l'obsidienne mouchetée, que je te montre. Voilà. Que l'on peut porter sous forme de collier, de chevillère ou de bracelet. J'en ai un exemple juste là, voilà, avec du corail rouge en ras de cou, mais tu peux le porter comme tu le souhaites. Donc, en lithothérapie, l'obsidienne noire met face à ses vérités, que l'on soit prêt ou pas, elle protège des énergies négatives et elle soulage l'arthrite. Bien que ce soit une pierre noire, elle n'encre pas. Au contraire, c'est une pierre qui ouvre au monde invisible. L'obsidienne mouchetée est aussi appelée obsidienne étoilée, neige ou flocon de neige. C'est une pierre noire avec des taches gris clair. Elle aide à faire part des choses entre notre vie matérielle et spirituelle. Alors au bout d'un moment, la pierre a donné toute son énergie qu'elle pouvait et il faut la purifier énergétiquement, ça c'est pour toutes les pierres en général, en la déposant dans un récipient d'eau non calcaire. Tu auras la possibilité de recharger cette pierre durant plusieurs heures. Pour plus d'efficacité, tu pourras par la suite la charger au soleil ou à la lumière naturelle. Mais en général, spécialement, cette pierre n'a pas besoin d'être purifiée. Alors, le chakra associé à l'obsidienne est le chakra coronal. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.